Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo tutoriel dédiée au clavier maître Advance et au logiciel associé VIP. Nous allons dans cette vidéo avoir un aperçu des setlists à l'intérieur de VIP. C'est une super fonctionnalité, surtout si vous jouez sur scène ou si vous êtes producteur de plusieurs artistes. Le bénéfice principal pour un clavier de scène est la création de setlists. Par simple glisser-déposer des sons utilisés dans une performance au sein de dossiers étiquetés et personnalisés. Ces dossiers peuvent être nommés par exemple avec le nom des morceaux et les sons utilisés pour les chansons déposées et sauvegardées dans chaque dossier correspondant. Même avantage pour les producteurs, les dossiers peuvent être organisés par nom d'artiste et contenir tous les sons utilisés sur une chanson ou même un album. Nous allons voir comment accéder aux setlists dans le logiciel VIP. Il est important de comprendre qu'elles seront accessibles depuis le clavier dès que vous aurez commencé à en créer dans le logiciel. Pour accéder aux setlists, allez en haut à droite de l'écran couleur dans Main Mode. Et à l'aide de la roue crantée, vous pouvez naviguer dans vos différentes setlists et cliquer pour en choisir une. Dans cet exemple, j'ai choisi une setlist appelée Moving Synth dans laquelle mes presets sont sauvegardés. J'ai chargé ici un son qui s'appelle Phasing Pump. Prenons maintenant un autre son de la setlist. Je vais aller chercher une autre setlist, par exemple une qui contient des sons de cordes. Et on remarque qu'elle se charge instantanément. Chargeons maintenant un violoncelle. Ou bien encore des cordes jouées legato. Écoutons des pizzicato. Des cordes tremolo. On voit très bien ici toute l'utilité d'avoir un accès rapide et simple au son, et surtout quand on joue sur scène. Allez, retournons à la setlist piano. Je peux toujours voir tous les sons de piano qui sont à l'intérieur et le chargement, comme toujours, est instantané. Je peux avoir envie de charger des cordes rapidement. Et je peux désormais aller directement jouer mes cordes.